Il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Nous attend au point de rendez-vous. Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Monte vérifier que la voie est libre. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Lui ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolé. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez! Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Thank you.
Les deux soldats morts. Suivez-moi. Vite. Ok. Il faut que je te donne le signal. On court. Signal, on court. Figé. Vas-y. Cours. Ellie, il va encore falloir courir. Prête. Ouais. Fais chier, ils sont partout. Les soldats, juste là. Les voix, Clément. Ton pur ici à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Voilà où tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là. Je vais avoir ton frère, emporter les pierres. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez, Ellie. Suis Joël. Thank you.
Tess, tu sais par où il faut aller? Voyons ça. Ouais, ça doit être ça. T'éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Ça donne quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Escouade Charlie, au rapport. Merde, merde. Encore des soldats. Cible toujours en fuite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vu. Merci. Tout à l'heure. Restez dans l'ombre. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. T'éloigne pas, Amy. Ok. Il nous rappelle. On retourne tous au mur. Vous avez entendu? On se bouge. Allez, allez. Allez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde! J'ai jamais demandé ça! Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y! Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir! Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère.